Bonjour à tous et à toutes. Alors, je fais cette vidéo, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le sujet de cette chaîne. Malgré tout, j'avais déjà fait une vidéo concernant les masques, je parle des masques, de protection, en papier. Il faut une agrafeuse, il faut des élastiques. Et les élastiques, c'est pas facile à trouver ces temps-ci. Ça se fait denrées rares. Et les agrafeuses, c'est pas tout le monde qui peut en avoir une, ou qui en possède une. Il y a une solution très simple. Et je me permets de vous montrer cette chaîne, cette vidéo. Je mettrai le lien, bien sûr, dans le descriptif. Jusqu'à maintenant, c'est ce que j'ai trouvé de plus simple. Ah oui, j'ai pas trouvé mieux en conception à partir d'une chaussette propre et pas percée. Vous faites un masque d'hiver, un masque d'été, vous faites ce que vous voulez, comme la chaussette. Hein. Si vous faites, vous êtes une femme, vous prenez votre pointure. Si c'est un homme, bah, il prendra sa pointure, parce que le visage n'a pas la même... oui, évidemment, ça... la morphologie n'est pas la même. Alors, j'ai pris une chaussette très fine, et j'ai fait un essai, enfin, j'en ai fait qu'un d'ailleurs, et c'était concluant tout de suite. Je ne suis pas cassé la tête. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si on le verra sur le fond de l'écran. Vous avez une oreille ici, et l'autre oreille, normalement, s'il y a une deuxième, elle va là. Ça marche par paire. Et le masque, eh bien, voilà. Et ça retient les postillons que vous projetez. Vous avez bien compris que même les masques officiels, les masques bleus, ne sont pas étanches contre les projections des autres personnes. Il faut bien comprendre ça, hein. Sinon, il faut prendre des masques, la norme de chez... Enfin, je ne sais plus à quel que c'est... J'en ai vu, mais c'est irrespirable, hein, là-dedans. Les médecins le disent, ils supportent ça pendant des heures, et c'est vrai qu'ils en ont ras-le-bol, même, ils n'arrivent même plus à parler. Tellement ça, il faut forcer pour parler, pour se faire entendre. Là, c'est réellement étanche dans les deux sens, mais c'est presque des masques de l'armée, quoi. Voilà, je vais faire ça bref, quand même. Voici, voici, voici. Il prend sa chaussette pour percer, laver, de préférence. Vaut mieux. À leur passage, bouf, je prends trop, non. Voilà, il plie, il mesure, c'est ce que j'ai fait, grosso modo, hein, j'ai pris un décamètre, non, je plaisante. Un coup de crayon, non, pas du tout, j'ai pris ciseaux, pof, du bout du pouce, j'ai mesuré comme ça, grosso modo. Ça, j'ai fait aussi sur 1 cm environ. Sur 4 cm coupé. Avec une paire de ciseaux standard, ça marche très bien. Et là, dans ce sens-là, 8 cm aperture du bord gauche. On coupe toute cette longueur. Ça coupe les coutures en fin de compte. Et voilà, c'est fait, c'est tout. Et le talon, c'est le nez. Si vous avez un grand talon, vous avez un grand nez. Et en plus, il a mis une... Ah ça, j'ai pas fait ça. Ah bah ça, voilà, vous pouvez mettre quelque chose en plus pour protéger. Ah bah voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est-il pas beau? Alors qu'on me dise pas que maintenant, on peut pas se faire un masque. Hein. Quand on voit le prix des masques, mais franchement, you know, ça abuse quoi. Mais en plus que ça dure pas longtemps, hein. Vous mettez à la poubelle avec une paire de chaussettes, vous la lavez autant que vous voulez, comme un masque en tissu qui est vendu assez cher quand même. Voilà, j'en ai fini avec ça, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bientôt c'est pour sur la route, voilà, tout simplement. Merci et bon week-end.